5 manières de porter le modèle de chemise en jean Grunge Mama. Donc j'aurais pu vraiment continuer à l'infini parce que c'est une pièce qu'on l'on mixe avec tout. C'est une pièce bien évidemment indispensable de notre garde-robe. Elle est assez masculine, on peut facilement la shipper à notre chérie et elle fait également référence à l'univers western, cowboy. Première proposition, porter la chemise en jean avec un pantalon de ville. Donc ici je suis partie sur le Jefferson avec une bande de satiné sur le côté. Même tenue ici, mais plus habillée. Donc j'ai croqué les baskets, les grosses dad shoes contre ici les sandales compensées Arba, que vous pouvez trouver sur le site. J'ai rajouté un petit bijou doré au cou et puis le sac Balmain, donc avec une pointe de doré pour habiller la tenue. Un autre pantalon de ville, le pantalon Pablo, beige. Voilà, pour un look très 70s, j'ai volontairement mis des sabots, deux grandes lunettes rondes avec le sac Yves Saint Laurent. Voilà, porté en banane comme ceci. Deuxième possibilité, c'est le total look de Denim, intemporel que personnellement j'adore. Que ce soit avec un jeans pas de def, un slim, ça fait toujours son effet. C'est une valeur sûre. Là, j'ai rajouté des touches de cannelle donc avec des sandales Cajac, le sac Vuitton, notre collier Jeanne ici. Voilà. Hop. Continue ici dans le total de Nîmes avec cette fois-ci notre short Grunge Mama. Un look bien summer, vacances avec les boots West India. La chemise ouverte sur un débardeur blanc, ça marche à tous les coups. Voilà, hop. On n'est pas exactement sur les mêmes bleus, mais c'est pas grave, au contraire. Hein. On n'est pas obligé d'avoir la même couleur de denim sur la chemise et sur le bas. Troisième manière de porter la chemise en jean, c'est avec un blazer. Donc ici je le porte avec le blazer Coste. J'ai également mis le pantalon Coste des dad shoes. J'aime beaucoup cette tenue, une tenue élégante, chic. J'aime beaucoup voyager avec ces ensembles, le style working girl par excellence. Voilà donc la première proposition. Avec un blazer. J'ai également rajouté le petit détail, c'est notre ceinture iconique Grunge Mama avec la boucle dorée. Donc ici avec la veste, le blazer Edouard, donc superposition du débardeur, de la chemise, du blazer noir, ça marche vraiment toujours. Donc là ici je vous montre une version avec notre short clouté Grunge Mama. Mais bien sûr, ça match avec tous nos jeans, le jean Braxton Gris, le jeans All, c'est génial. Une paire de baskets, deux sandales plates ou commencées, c'est vraiment une tenue très très facile. Quatrième manière de porter la chemise en jean avec la jupe. Donc ici, une petite jupe courte, noire, un look sporty chic. Voilà, j'ai rajouté la petite fantaisie des chaussettes. Une variante ici avec le jupon rouge satiné qui est disponible actuellement. Donc là, j'ai noué la chemise ici pour marquer la taille. Voilà, ça c'est également une tenue emblématique de la marque. Cinquième manière de porter la chemise en jean avec une robe. Donc ici, une robe courte, notre robe Grunge Mama en broderie anglaise pour un look assez romantique. Ici, j'ai surtaillé la chemise, je l'ai prise en taille 38 pour un porté plus souple. Voilà, je vous montre. Donc dès qu'il fait un petit peu froid, on peut rajouter la chemise en jean sur ses robes. On peut également, bien sûr, la nouer. Ça va être très joli aussi. Hop. Et voici.
je termine ici avec la robe longue Maisy, beige dans mon cas. J'ai associé les franges bien sûr pour un look très bohème. Alors je finis par une astuce, j'utilise beaucoup, très souvent, la chemise en jean pour rehausser les tenues dans les beiges. Pour toutes celles qui sont blondes ou avec un teint un petit peu pâle, le denim vient rehausser les beiges. Donc toujours en superposition, sous vos pulls beiges, sous toutes vos tenues beiges, le denim vient rehausser. C'est une petite astuce que j'utilise très souvent. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous a plu. À très vite.